Hey, je suis le double de Zelda Skyward Sword et on était rendu à continuer. Et ça vient là qu'on était rendu ici. Je pensais qu'il y aurait une scène nous disant qu'est-ce qu'on doit faire, mais ça vient là que le save nous l'a dit. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il nous a dit qu'il fallait retourner. Ah oui, c'est vrai, faut retourner au temple du Sceau. Pourquoi je recommence ici dans ce cas-là? Si on le sait déjà, ben je savais pas s'il y avait une scène ou pas. C'est pour ça que j'ai recommencé ici. Fait que je vous ai rejoint quand je suis rendu, parce qu'on sait bien que dans le ciel, il se passe rien. S'il se passe quelque chose, ben, il va se passer quelque chose, puis je vais remettre ça pendant que j'édite. Qu'est-ce que je dis là, genre? Ok, on se rejoint au temple du Sceau. Ok, on est rendu, supposément, je crois qu'on est rendu. Il se passe-t-il quelque chose? Pointez l'endroit où vous voulez descendre avec ça, hein, bla 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 bla. Je pense que s'il faut aller, une grosse affaire là, c'est du Sceau. Derrière le temple du Sceau. Ayant fait, j'en ai aucune idée. Était où, elle, la folle? Chute de Florian? Non. 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 Bah, on va dire que c'était ici, site du Sceau. On va aller sur le site du Sceau. Voulez-vous descendre ici? Yes. Il me semble que c'était là. J'en ai aucune idée. C'était-tu le début de. C'était un gros tourniquet, il me semble. Un gros trou. Est-ce que je m'en vais à bonne place? Fallait que j'aille en arrière. Ah, fallait que j'aille en arrière. Ou peut-être pas. Peut-être pas. Peut-être que oui. Oui, je pense qu'il fallait que j'aille en arrière. Et t'es où la porte? T'es où la porte? Je sais qu'il y avait une porte quelque part, il fallait rentrer, puis on était déjà rendu. Oh, je crois qu'il n'y a pas ici. Oh, il y a un trou! Oh, un trou, mais je veux pas aller dans le trou. Ou peut-être qu'il fallait que j'aille dans le trou. Non, faut pas que j'aille dans le trou, le temple est direct là où faut que j'aille. Ok, on est déjà rendu, ça va très bien. Non, Link! Il est essoufflé! Il est essoufflé! Ok, on est plus essoufflé maintenant, c'est bien. Ouvre la porte! La grande porte. C'est impressionnant, non, pas vraiment. Bon, vous êtes là, vous autres, vous êtes encore là en train de la regarder. Attends une minute. Je pense que je vais me positionner ici. Tiens. Puis on faut rien dire. Faut regarder ça en ne disant rien. Comme eux autres. Puis là, on espère que quelque chose se produise. Ah! Que pourrait-il bien se produire avec cette porte? Rien, je pense. Peut-être que si je la regarde un petit peu plus, ça va marcher. Oh, je pense que j'ai vu clignoter là-bas. Oh oui, elle clignote. Oh, peut-être que si je la regarde plus, je la fixe encore plus, ça va marcher mieux. Oh, bon, vous voyez bien que ça marche pas. Il faut agir dans la vie pour que quelque chose se passe, gang d'innocents. Ok. Oh, ton épée! Je savais qu'en fixant sans arrêt, ça allait, quelque chose allait se passer. Ça n'a été purifié par les trois flammes. Bravo, Malka Étoile. Merci, merci. Ton épée déborde d'une grande puissance, oui, je sais. Cette puissance, oui, c'est la force. La puissance et la force, ouh! La puissance sacrée que les anciens dieux ont insufflée en ce monde. La grande puissance que mentionne le chant de la déesse. C'est elle qui circule à présent en toi et ton épée. Je suis pas capable de lire parce que j'essaie de lire trop vite. Ça ne fait aucun sens, aucun doute plutôt. Ça ne fait aucun sens non plus. Viens, Malka Étoile, l'heure est venue d'ouvrir la porte du temps. Oui, je veux l'ouvrir la porte du temps. Je vais avoir plus de temps. Avec cette puissance, avec la force, il ne fait aucun doute que l'éclat céleste pourra activer la porte du temps. Ben oui, je m'en doutais pas, ça que je voulais faire avant que tu m'interrompes. Depuis cette estrade, insuffler la force de ton épée à la porte du temps. Bon, depuis cette estrade. Tiens, je peux pas l'insuffler à une autre place. Ça a bien l'air. Oh, il fallait juste que je pointe mon épée dans le ciel. Wow, qu'est-ce qui se passe? Il me semble que le sceau ait à nouveau été brisé. Oh non! Ah, la créature est sur le point de s'éveiller. Pas encore à Puruboka! On l'a déjà tué à Puruboka. C'est quoi cette affaire-là? Elle a dû réagir à la puissance sacrée maintenant. Ah, oh, c'est parce que ses ongles d'orteil ont repoussé vu que je les recoupe. Oh my god! C'est le prix à payer pour ouvrir la porte du temps. Ok, fait que dans le fond, il nous paye en ouvrage de porte. Fait son gentleman vu qu'on lui coupe les orteils des. Ah. Tu dois emprisonner la mort une autre fois. Ben oui. Et trop tôt, ça va barder. Le moment de tester mon âme secrète est enfervé. Mes cheveux vont détruire le monde. Avec ça, il n'ira pas loin le gros tas d'écailles. Bon, tant mieux. Je pars devant le gros étoile. Ah ouais, c'est ça. On va le tuer à ma place. Moi, je vais rester ici à fixer ça. Pour une fois, j'aimerais ça pouvoir rester ici à fixer, mais non! Il faut que j'y aille, j'imagine! Est-ce que ça va être exactement la même bataille ou il va y avoir quelque chose à changer? J'opte pour le changement, j'espère. Je suis toujours pour le changement. Mais on sait jamais! On sait jamais. C'est-tu supposé être ici? Hey ho! Hey ho! On rentre du boulot! Ok, non, c'est pas ça. Malka Étoile! Oui, qu'est-ce qu'il y a? C'est toi qui as fait ça? Hey, attends de voir ça, tu n'en croiras pas tes yeux. Voici l'ultime arme super secrète du grand Ergo.
Oh, une catapulte, mon gars, je présente la méga-tapulte. Non, 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 je dis que c'est une catapulte. La méga-catapulte, elle serait un petit peu plus grande que ça. Tu en es bouche bée, c'est bien normal. Tu serais surpris de savoir combien d'efforts j'ai dû mettre pour construire cette chaîne. En fin de compte, c'était l'autre qui fixait. Toi, tu fixais pas. Fait que c'est bien. C'est bien, au moins tu faisais quelque chose. Je ne taillis pas autant que je le croyais. J'ai libéré la zone pour... Ah, je suis pas capable de le parler. Ah, là, ça fait du bien. J'ai déblayé la zone entière pour pouvoir installer le rail qui permet de déplacer mon bidule. Et j'ai tout fait tout seul. Eh oui, l'autre est trop occupé à fixer la porte du temps. Ah, je m'éparte moi-même. Tout ce talent qui me demandait qu'à s'exprimer. Il ne reste plus qu'à utiliser cette machine de rêve pour lui faire avaler sa soupe à ce démon. Mais-en. Une bonne soupe de bombes. Une seule de mes bombes devrait suffire pour calmer le nerf de notre gros méchant pas beau. Pas sûr, moi, mais c'est pas grave. Oupalaï! Ce monstre est arrivé juste un peu trop tôt. Ah oui? La machine a encore besoin de quelques ajustements avant de fonctionner parfaitement. Oh god! Une autre mission de protection. Je sais pourquoi je dis une autre, mais c'est parce qu'il y a d'autres jeux que j'ai joués qu'il fallait protéger, c'est pour ça. Je t'avertirai quand tu seras prêt. Occupe-toi de lui en attendant. Ok. Je vais l'agresser. Pendant ce temps, il est où? Ou juste, bon, j'imagine qu'il faut qu'on saute en bas. Parachal, sauve-moi la vie. C'est peut-être qu'on puisse pas un petit peu plus se contrôler avec le parachal. C'est juste pour pas qu'on prenne du dommage. Fait qu'on a pas vraiment besoin de tenir le bouton. J'aurais aimé ça pouvoir me contrôler, mais non, on peut pas. Comme ça, j'aurais pu descendre jusqu'au milieu un petit peu plus rapidement. Je suis aussi impatient que ça, ça a bien l'air. Tout devient noir et j'ai pas mes écouteurs dans les oreilles. Fait que j'entends pas le bruit. Dommage. Bonjour, Hapuroboka. Tu sais que... Hey, je viens de penser à ça, il va y foutre une bombe dans la bouche. C'est exactement... S'il fout une bombe dans la bouche, c'est comme dans Monster Hunter Portable 3. Maintenant, il va falloir couper ses ongles de doigts. Yeah! Et my god que... Il est un petit peu mal proportionné si on se fie à ses bras. Mais écoute, on dirait qu'il s'est acheté une paire de bras. Très bien! Qu'est-ce qu'ils sont? Ouais, mais. Ils sont bizarres, ces bras. Ils sont un petit peu trop longues. C'est en plein le bon moment de montrer ce que ma mégatapulte est capable de faire. Je te ferai signe dès que je serai prêt. Mais oui, tu me l'as dit tantôt, God! Ils viennent juste de dire qu'il y avait des bras. Pas besoin de savoir que des bras, je m'en sac. Tiens! Bloc! Roule! Fais quelque chose! À place de te faire massacrer. Oh, son ongle d'orteil en arrière. Tiens, un de moins, tant mieux. Non, va-t'en pas, mon cher. Il a l'air d'être speedé un petit peu plus que normalement. Mais écoute, pogne-moi pas, s'il te plaît. Ok, coupe ses ongles. Non, va-t'en de là. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il fait? Alléluia. Tu parles d'une arnaque. T'as pas le droit de faire ça. T'as pas le droit de prendre de raccourcis, mon cher. Ah, ben, il va rester là pendant 10 minutes. Comment vous pariez? Puis là, il faut que j'aille briser ses ongles demain. Mon budget est presque prêt. Tirons ce monstre pour l'empêcher d'escalader le mur. Appuie sur quand tu auras besoin de moi et ma machine. Ok, j'ai besoin de toi. Ouais, c'est autour du grand ergo de passer à l'action. Ah, ouais. J'ai besoin de toi, mon cher. Déplace la machine avec. Ah, c'est une zone qui contrôle. Ensuite, tu as une bombe avec. Ah, si elle était une démon, celui-ci sera sonné. Profite-en. Oui, si tu ne te souviens plus des commandes, c'est pas compliqué. On utilise l'analogue et le A. C'est quoi qui est compliqué là-dedans? Tiens, ils me le positionnent en plus pour la première fois. Gang de généreuses petites personnes. Je pense qu'ils nous prennent un petit peu trop. Alors, qu'est-ce que tu dis de la puissance de mon bidule? Il a pas vraiment réagi. Il a fait « Oh, je me suis fait piquer par un moustique! » C'est en bouche un coin. Non, pas vraiment. Bon, je recharge le bête alors. Tiens, bon, jusqu'à mon prochain signal. Oui, et j'imagine que tu vas me le dire. Ben, comme faut, je veux couper tes ongles d'orteils! Non! Ouh, ok. Ah, oh, gars, il a recommencé à marcher. C'est quoi ça? Pourquoi il s'est accroché au fait? Il a rien foutu. Arrête de faire les petits pas, j'aime pas les petits pas, ok? Non, vite, brise quelque chose, vite, brise là. Ok, je pense que je l'ai brisé. Et je pense qu'on va pouvoir aller massacrer sa face. Yeah, on va pouvoir. Wouh! Dans le fond, la catapulte est toujours prête au dessus qui s'accroche après le mur pour l'empêcher de monter sur le mur. Et pourquoi je fais ça au juste? J'en ai aucune idée. Mais on va essayer de sauter dessus, pourquoi pas? On va dire que c'est plus rapide par ici. Tiens, ça a été beaucoup plus rapide. J'en ai aucune idée, en fait. J'essaie de me trouver une raison. Vers le fucking O-Link. Oh my god, ça marche une fois sur deux, mon mouvement. Puis je me fouettais avec les fils. C'est dangereux. La Wii est très dangereuse. Ouh, oh my god, que ça repousse. Ouh, pourquoi il y a ça, juste? Est-ce que c'est lui? Lui serait la roche? Oh, c'est ça qui le tient emprisonné, mais il est capable de le contrôler quand même. Pourquoi...
tes boutons sont un petit peu bizarres. Vite, vite, brise le bouton! Wouh! Un cœur à part de ça, c'est un petit peu trop facile s'il nous donne des cœurs, voyons donc. S'il nous en donnerait pas, ce serait un petit peu plus complexe. Mais non, on n'a même pas besoin de se forcer. Un ongle d'orteil de brisé, je me fais massacrer. Même pas, je me suis même pas fait massacrer. Là oui, oui, là oui, je me fais massacrer. Ouch, ouch, ouch. Ok, vite, on va aller. Je sais pas pourquoi je suis pogné sur sa move. Dites jambe de. Ah! De gauche? Mais je suis pris sur sa maudite jambe de gauche. Ah, t'as arrêté de courir, maudit stupide! Ah ouais, elle recharge ta stamina. Et je te dis, oh, 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 catapulte est prête! Catapulte est prête! J'imagine que oui. J'imagine que oui. J'espère qu'on va pouvoir viser ce coup-là et qu'ils ne nous faiseront pas tout ça automatiquement. Parce que je joue un jeu pour jouer et non pour me faire dire, fais ça de même. Est-ce que c'est prêt? Oui, c'est prêt. Ok, c'est prêt. Oh, c'est même pas avec l'analogue, qu'est-ce qu'il parle là? Mais c'est facile à contrôler, ça se contrôle assez bien, étonnamment. Fait que j'ai aucun problème avec ça, ça se contrôle bien! Oh, t'étais dans les airs, maintenant je te t'écrase ton orteil. Et non, ne m'écrase pas avec ton autre orteil. Il manque un coup, il manque juste un coup, you son of a bitch. You son of a bitch. À quoi que ça sert d'abord ses ongles sur sa main? Et oui, je fais pas attention pantoute. Attends une minute, on va aller vers l'avant. Tiens, ça va bien mieux demain, il me reste juste un coup. Vite, 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 je m'en fous. Ok, il y en reste juste un. J'en ai brisé deux, c'était mon objectif. Vite, mon objectif, c'est fait de pogner lui avant. Ah non, j'ai fait de la stupide, ok. C'est ça que ça fait être avare, comme dans Monster Hunter. Encore? My God, tu veux monter plus vite que t'es supposé monter. C'est-tu moi où il est redescendu en bas? On dirait qu'il est descendu en bas, mais c'est peut-être juste moi qui hallucine quelque chose. Probablement juste moi. Ah non, c'est même pas prêt. C'est même pas prêt, la catapulte. Ah oui, il est prêt, ok. Tire-moi ça là, mon cher! Wouh! Tiens, drette dans son dos. Je me demande si on lui pogne sa face, si ça fait quelque chose. Ah ouais, montons. Montons vers la victoire. Oh, il est là! God, vite, vite, vite! Oh, you son of a bitch! J'étais sûr que ça te prendrait plus de temps que ça. Mais là, t'es tombé quand même! Fait qu'on se plaindra pas trop. Parce qu'on avance. Ses bras nous bloquent le chemin, gang de salauds. De bras méchants. J'étais pris en dessous. Je peux pas passer vers là? Comment qu'on fait d'abord pour monter? Ok, d'abord, on va prendre un gros détour de la schnappe des schnappes de mort. On va passer par là. Peut-être que j'aurais pu passer vers sa droite. Vers sa gauche, plutôt. Ou notre droite, whatever. Peut-être que j'aurais pu passer quelque part. Vite, prends la graine, s'il te plaît. Et on va aller le massacrer. J'imagine que c'est encore trois fois comme la première fois. Je pense que c'était trois fois. Non, vite, avant qu'il se monte! Vite, avant qu'il se monte! Oh, pourquoi il clignotait au juste? Parce qu'il était à veille de s'en remonter tout seul. Je crois que oui. Je crois que oui. Ah, là, il agit en poisson! Oh my god, que ses jambes sont assez étranges. Il agit en poisson! Il agit en poisson! J'imagine qu'il faut que je monte avant lui. Fait qu'on va monter avant lui, puis on va revenir sur nos pas, j'imagine. On va faire ça de même. Comment que ça marche? Ou juste, pourquoi il fait ça? Why the hell are you doing that? Je me rappelle plus ce qu'il faisait, non. Ouh! De l'herbe, donnez-moi des cœurs! Mon herbe! Ah, ok, c'est juste se booster un petit peu. Il a juste crossé le système. Je sais pas pourquoi il continue pas de même. J'imagine parce qu'il est pas intelligent. Ou parce qu'il trouve qu'il copie un petit peu trop la pure boca quand il fait ça. Je le sais pas. Mais aucun dans les deux cas. Tiens. Je sais pas pourquoi je te frapperai tout de suite. Je veux juste te frapper quand que tu vas. Je sais pas. Quand que tu vas t'accrocher à un mur. J'imagine. J'imagine quand il va s'accrocher à un mur. Ah, je t'ai brisé une affaire. Je m'en fous si tu me frappes. C'est mon but. C'est juste de te briser tes maudits boutons. Tes maudits boutons. Peut-être qu'il faut que je l'utilise tout de suite. On va l'utiliser. On l'utilise. Après que j'aille briser ce bouton-là. Je vais voir qu'est-ce que ça va faire. On l'utilise. Et. Wouh! Dread son bras. Puis-je bouger et massacrer ses. Puis-je bouger? Puis-je faire quelque chose? My god, il nous empêche de faire quelque chose. De salaud. Vite, vite, vite. Ça nous donne des coups gratuits. Ça nous donne des coups gratuits. J'apprécie les coups gratuits. Oh non, on a brisé ces. Ah, damn! Comment qu'on a fait pour en briser deux en même temps? Ah, je m'en vais me sacrer drette sur lui. Ok, c'était stupide de ma part. Ah, ok, sa patte de droite ne peut plus nous affecter. Vite, vite, il s'approche. Il s'approche, ça clignote. Puis moi, je fais le con. Moi, je fais le con. Je fais le con. Non, continue pas de faire le con. Non! Ok, il y a un cœur. C'est bien. Tout va bien, on va attendre qu'il fasse ça. Et on va péter ses deux boutons. J'ai-tu pété ses deux boutons? Non! Non! Lui, il est pété maintenant. Maudit bouton de schnapps. Ça te prendra être un bouton. Et je peux-tu passer ou faut que je descende en bas comme un stupide encore une fois? Et je pense qu'il faut que je descende en bas comme un stupide encore une fois. Et justement, c'est là. Fait que c'est pas de la luck. Ah, ben, attends une minute, il y en a un autre qui est assez proche. J'ai dit Link! Il y en a un autre qui est assez proche. Je sais pas si j'aurais pu faire quelque chose de mieux, mais on va dire que non.
Et on va y aller. Comme ça. Et ok, il est plus proche que je pensais. Je pensais qu'il serait un petit peu plus loin que ça. Et j'aurais pas besoin. Ok, Link, fais qu'est-ce que je veux. Yeah! Ok, clignote quand on rentre là. Non! Non, Link! Oui, Link! Ah, sais-tu bien quand il nous écoute. Fait que tu devrais être mort, mon cher. Regardons le temps subtilement. Ah, il est mort. Trois coups. Il adore ça, les trois coups. C'est quoi que t'as dans la bouche, mon cher? On va regarder ta bouche. Arrête de clignoter puis meurs, oh my god! Il n'a pas de 30 minutes à te regarder mourir. Il me crie. Ma manette, elle aime pas ça quand il crie. Ah! Ah! Ok, ok, on a arrêté de vibrer. Puis ils viennent de... Ok, je pensais qu'on était buggé, glitché, mais non, mais non. C'était, ça a bien l'air que c'était voulu. Et tout éclate. Un million de morceaux encore une fois, puis il va revenir à la vie. Je vous parie 2 millions qu'il va revenir à la vie encore une fois. Salut, il est pas capable de mourir. Ce maudit Apurbuka-là. Puis qu'est-ce qu'il va avoir la troisième fois? Il va avoir un chapeau sur la tête. Il va avoir un superbe chapeau. C'est avec ça, sa nouvelle addition à la place des bras. Hein? Je le parie de suite. Maintenant, Malkai Étoile. Oh, tu regardes plus la porte du temps? Utilise ton éclat céleste sur le pilier de pierre. Vite! Vite! Vite, sinon on va tous mourir! Vite! Vite! Surtout qu'il va revenir à la vie encore une fois. On pourrait-tu briser ce maudit pilier de pierre là? Si on le brise, qu'est-ce qui se passe? Il va être sorti et on va pouvoir le tuer. Je pense que ça va être mieux qu'on... Oups, excuse-moi mon chat, je voulais pas te frapper. Et je bougeais même pas, maudit Link de Schnappity Schnapp. Oh, wow! Ah non, va falloir faire un symbole, je suis pas capable de dessiner. I'm... Hola! Hola! J'ai dit hola! Bon, thank you. Oh! Hi! Ça marche pas en faisant les bruits, faisons n'importe quoi. Ça marche toujours en faisant n'importe quoi. Regardez-moi ça comment ça a marché. Ok. Je suis comme un Apurbuka. Et qu'est-ce qu'il va faire? Ah, il va faire les super mouvements? Non? Oui, puis là, il plante dans le plancher. Tu fais ça pour rien, Link, il va revenir quand même. Tu devrais le laisser vivre pour montrer que faudrait peut-être qu'elle arrête de regarder la porte et qu'elle essaye de trouver un moyen de l'enfermer pour de bon ou de le tuer à place de rien. Fuck! Bien joué, Malkaïdois. Là, vous, que sans le grand Ergo, tu aurais été bien mal pris. Pas besoin de me remercier. Bon, il faut aller activer la porte du temps maintenant. Je vais y aller. Ah, tu vas y aller? Ben, vas-y, mon cher. Vas-y. Maintenant, il faut que je remonte tout ça. Yeah! On va dire qu'on peut remonter plus vite ici. C'est quoi qu'il y a à terre, là, au juste? C'est quoi ces affaires-là? Texture bizarre, c'est des roches, on dirait écrasées à terre. On dirait un spot de minage pour Monster Hunter. Mais trop tard. On est passé. Faudrait que je me trouve un banc pour m'asseoir. Il me semble qu'il y en a dans le temple. N'est-ce pas? Ben, si c'est un temple. Mais enfin, bref. Il faut aller ouvrir la porte du temps! Oh, je suis monté un petit peu trop haut. Ah, non, voyons, on est correct. Il y a des cœurs ici. Des superbes cœurs. Ouh. Ok, fait que ça, c'était pas là avant. Il me semblait aussi que c'était pas là avant, cette affaire-là. J'étais pas sûr. J'étais pas sûr. Ça m'aurait pas étonné que ça l'ait été là puis que je m'en avais pas rendu compte. C'est pour ça que j'avais pas vraiment parlé la première fois. Mais ça vient là que c'est ça. Et que c'est la fin de la vidéo aussi, je crois bien. Oui, hein? Oui, c'est avec la fin de la vidéo ici. Puis on va reprendre là, ici la prochaine fois. La créature a été enfermée à nouveau. Fait que merci d'avoir regardé. Et bye bye!